Je ne sais pas si c'est mon enfant, je fais un bâtiment, c'est pas évident. Donc on a dit que précédemment, on s'est engagé dans un premier temps avec une feuille de route sur laquelle apparaissait explosion suivie de plusieurs victimes. Donc le premier enjeu, c'est à faire de son posture dans l'attachement du groupe d'intervention. Après sa première reconnaissance, ils vont aller victime par victime de manière à déjà identifier les victimes qui sont concernées. Les victimes qui sont conscientes, les victimes qui ont nécessité un soin d'urgence, c'est ce qu'ils vont être reconnus en deux groupes de côté. Donc le personnel est équipé de TMA qui est déjà de très bonne fonction. Et puis il sera par exemple de manière à simuler. Et tout de suite derrière, on ne pourra pas tenir le temps.